air. Allez, c'est parti, épisode de Minecraft à la bourre. Putain, il est 21h23. Ah là là, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, c'est pas gênant, c'est pas gênant. Alors, ce soir, bah, on va aller visiter Atum. Donc, Atum, il me faut... Normalement, tu as le scarabée. J'ai le scarabée, il faut faire donc une zone d'eau de 3x3 avec recouverte de sandstone. Donc, il faut faire un puits de sandstone. Alors, oui et non. Attends, tu vas voir. Où est-ce qu'on va caler ça? Pas trop près, parce qu'on sait jamais qu'il y a des trucs bizarres qui pourraient apparaître. Éventuellement, un truc qu'on peut faire, c'est... Derrière le moulin, je vais le faire. Soit derrière le moulin, soit on creuse une salle et on fout une porte. On le fout dedans. Non, on va le foutre dehors, ce sera plus sympa. Hop, on va faire ça. Ce soir, on ne jouera pas avec les abeilles. Je vais faire le truc par ici. Ce n'est que partie remise, les abeilles. Ne vous inquiétez pas, elles vont revenir. Mais ça va être notre future source de, on va dire, de minerai ou autre. Donc, voilà. Donc je pense que de toute façon, ça va être obligatoire de passer par les abeilles. Faut juste qu'on arrive à trouver comment les accoupler. 3x3, est-ce que j'ai la... Pourtant, j'avais lu sur je l'avais lu sur Reddit que c'était avec les tweets et que tu les faisais, ouais. Dès qu'elles avaient les petits cœurs, tu faisais une repro classique, quoi. Mais peut-être faut pas les enfermer, faut peut-être leur donner à bouffer à l'extérieur et puis au bout d'un moment, elles s'accouplent ou pas. Bizarre. Ouais. Après, j'ai pas eu le temps de mettre à jour le mode, malheureusement. J'ai vu ça. Ouais, bon, je te l'aurais dit, hein, de toute façon. Non, c'est que j'ai oublié, en fait. J'y ai pas pensé ce week-end. Et... J'ai dû me reposer un peu plus que normal parce que j'en pouvais plus. En même temps, avec tous les pollens en ce moment, des allergies, Oh, je m'en passerai tout ça. Ok. Donc du 3x3. Bon, pour le moment, je suis en Joining World. Ouais, je t'ai vu marquer le Joining World. Alors, on va transformer ça en sandstone. Allô? D'accord, magnifique. J'arrive pas à faire le glisser, tu sais, pour que ça le mette de partout. On va en prendre. On va faire un truc joli. On va essayer. Ça suffira sûrement pas, mais bon. Ah, mais lol, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Il y a un truc qui charge derrière, c'est ça? D'ailleurs, il faudrait que je coupe Steam. Non, j'ai juste Java qui a planté. Je sais pas pourquoi régulièrement Java il plante. Sur les gros chargements de mode Minecraft comme ça. Dans le doute, je préfère faire un truc un peu. Il m'en faudra plus. Je me demande même si on en a pas en stock de la sandstone. Ouais, il doit y en avoir. Enfin, sinon j'ai pris du sable, mais bon, ça c'est pas un souci. Et au pire, il me semble que c'est 4 de sable. Oui, c'est ça, c'est 4 de sable, mais un stack de sable, ça t'en fait que 16. Hein. Donc il en faut plus. Alors, la sandstone, C'est pas grave, on passera de notre cobble infini au grain. Ah bah là, de toute façon, j'ai un stack de sandstone, donc. Donc c'est bon. J'ai largement. Tu balances la cobble dans le grinder, ça fait du gravel. Le gravel, tu le repasses dedans, ça fait du sable. I know. Donc, je préfère pas le faire trop près au cas où. Et après, quand on arrivera à avoir suffisamment de,
suffisamment de courant électrique pour faire fonctionner l'arc furmace, on aura le slag qu'on pourra grinder pour faire du sable. Donc normalement ils disent qu'il faut recouvrir. Et recouvrir ? Recouvrir, ouais. C'est marqué dans le truc. Alors j'ai envie de dire, c'est bizarre recouvrir. Je pense plutôt que... alors, je dirais que tu fais un truc de 1 de profondeur avec, en immergé, un truc de 3 par 3. Tu fais le contour en sandstone. Parce que après tu fais comment pour jeter le... Non mais... Le scarab dedans. Tu fais... J'ai fait des piliers sur le côté. De toute façon, à tous les coups, l'image que j'ai en tête, c'est exactement ce que t'es en train de faire, mais comme c'est en rechargement, je ne le vois pas. Non, ça doit pas être ça. Je vais juste fermer la fenêtre et allumer la lumière. Non, parce qu'il le marque bien dans le truc. Richatum by constructing a shallow 3x3 pool of water surrounded by sandstone block. Et on se fait attaquer encore. C'est bien, j'ai besoin d'XP. Monsieur a buté. Lâchons un feu de camp. Ah, le campfire de la 1.16. Oui, bah on se fait agresser. Ah! Mais je vois pas le feu de camp. Barbare Amazon. Amazon. Comme il y a beaucoup d'arbres, il y a des chances que le feu de camp soit dans un arbre, mais je le vois pas. En plus, il neige, ça aide pas. Ah, ça a popé côté montagne. Côté où il y a l'archer. D'accord. Mais ça neige partout en fait. On doit être en hiver dans le mode. Bon, après, autant ils sont bloqués dans un arbre, aux F. Ils viennent pas nous attaquer. Et au pire, elles se feront défoncer par nos munitions. Ou pas. Je sais pas s'il a une arme ou autre. Bah, ils sont là. Il serait de bon ton de commencer. Ils sont chez nous. Ils sont dans le village. LOL. Il y en a une qui a tiré une flèche et elle a tué sa copine. Ah mon dieu. Au secours. Quelle bande d'abrutis. J'adore, tu tues les Amazones, ça fait I'll be back. C'est des Amazones, les gars.
C'est un peu masculine là. Ah, ça tape sur une porte. Bon, Java, ce serait bien que tu arrêtes de cracher. Il en reste une. Ah, mais sérieusement. Il n'y aurait pas eu de la tour de magie. Il est reparti aux fraises. Sérieusement, j'ai encore Java qui est parti aux fraises là. Bon, la dernière, je sais pas où elle est. Et on a perdu Ray Knight. Bah là pour le moment c'est Java qui refuse d'être stable lorsqu'il lance ton serveur. D'accord, c'est bizarre. C'est-à-dire au moment où ça marque Joining World, ouais. Java crash. Oups. Pourtant j'ai rien touché depuis la dernière fois. C'est bien pour ça que je trouve ça bizarre. Puis moi je suis connecté sur le serveur depuis 18h donc. Bon, je sais pas ce qu'elle pourrait faire l'Amazon. Ça m'emmerde parce que je la trouve pas la dernière. Bon, peut-être que demain elle partira. Je sais qu'au bout d'un moment ça disparaît mais. Alors. Ou sinon elle tuera nos villageois, ils feront ah bouh, on est triste, là là, on s'est fait attaquer. Oui, mais en même temps, si l'archer et le milicien se bougeaient le cul pour aller leur péter la tronche. Non, ça marche pas. J'espère qu'il faut pas être dans un biome désert. Quand même. Après j'ai même le fond en sandstone donc peut-être ça le problème, peut-être de la terre en dessous. C'est pas précisé normalement, tu dis tiens je vais foutre le sol en. Ben, par exemple, il faut pas autre chose autour. Hein. Ben, il genre, disait, Genre des deadbush ou autre, puisque. Non, il disait juste. Ça a l'air d'être un craft un peu similaire au Twilight Forest. Twilight Forest, il faut faire le trou. Non, et mettre des fleurs autour. Donc, ils disent. Filet de Evil Mummy and Treasure. Rich Atom by constructing swallow. De 3x3 pool of water surrounded by sandstone block. Place 2 sandstone block in each corner to form 4 pillars. Then throw scarab into the pool of water. Et la quête elle est bien débloquée. Ou alors il faut que. Ah, attends, c'est peut-être le truc à la con, mais. Il faut que ce soit plus profond. Non, je pense pas que ce soit ça. C'est que autant il faut le truc recouvert, mais que ça touche pas les coins, il faut que ce soit à l'extérieur. Non, il faut que les coins soient pas fermés. Tu sais, il faut que ça soit recouvert, mais que ça soit les coins soient pas. Tu sais, il faut juste recouvrir le milieu. Ça recouvre juste comme si c'était au-dessus de l'eau. J'essaye.
Non. Alors, Google. Atom. Enfin. Construction. Alors, je suis en train de chercher. Ok, d'accord. Mmh. Ouais, en fait, il faut vraiment... Il faut de la... Donc, la sandstone en bas. Je suis allé regarder sur un... sur Google. Mmh. Alors, ma petite lunette, elle est là. On va mettre là. Normalement, c'est juste ça. Ça, ça devrait suffire, mais ça n'a pas l'air de faire quoi que ce soit. Moi, je te rejoindrai quand je pourrai. Pour le moment, difficulté de stabilité Java. Ouais, j'enlève avant que ça dispose, mais... Il est en loading terrain. Il est un peu long. Ben non, normalement c'est ça. Ah attends, il a fait du 5 par 5 mais en dessous. Alors que moi j'ai pas partout. C'est ça qui doit manquer. Tout a fonctionné, putain. Sandstone, il faut remplir tout le truc de sandstone. Pourquoi il veut pas nous mettre? Bon, c'était ça. Faut vraiment, faut faire une surface de 3 par 3 en dessous. Mmh. Donc ça fait, faut faire, en fait, c'est 3 par 3 d'eau. Donc il faut faire du 5 par 5 de sandstone, faire encore du 5 par 5 avec un trou de 3 par 3 au milieu, mettre l'eau, mettre des piliers et balancer le scarabée au milieu. Et là, mmh, ça marche. Ok. Bon, bah... Pour une énième fois supplémentaire, je vais relancer encore parce que ça veut pas charger. Regardez celle-là.
Putain, mais c'est dingue ça que t'arrives pas aujourd'hui à te co. Ça casse tout mon truc là. On devait partir et tout, en aventure. Mais dans vas-y, un nouveau je te rejoindrai monde. Après. Ça, je peux enlever. Comme on dit, va taper des bonbonomies. Hein. Ou pas. Je vais me faire déglinguer en 2 secondes. J'aurai pas le level. Je vais réparer mon arc. D'ailleurs, ça, je vais le virer. Ah, j'ai allemand looté un beau. Oh, de niveau 29, le beau. Alors, attends, déjà, il y a un truc, je vais virer Steam. Ah, vu la musique, je vais y aller. Allez, go Atum. On va aller regarder ça. Ça chargera la map, ça fera planter. Allez. Pouf. Loading terrain. Welcome to Atum. Et pas Atum. Ah, je l'ai pensé si fort que ça. Ah. Déjà, ça arrive. Oula, quel niveau ? 31. Bon, ça va. Des brigands qui viennent me dire bonjour. Putain, mais on fait tellement pas de dégâts au corps à corps, c'est une horreur. Qui est l'Orbi Killed ? Oh, il a lâché un beau. What ? Eh, t'as du PV, toi, le sergent. Eh, tu m'as fait mal. Eh, mais il me fait bobo. Putain, le sort qui part pas. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai mon sort qui part pas? Aïe, oui. Il m'a lâché une épée. On va se soigner. Ah, c'est très brumeux. Qu'est-ce qu'ils m'ont lâché? Un iron scimitar. Bon, une bannière. J'ai cru voir un arc popper tout à l'heure, mais il a peut-être dû aller dans le sac. Il a dû aller dans le sac. Ouais, dans c'est un beau, chest. Ouais. Niveau 26. Non, c'est celui-là, je crois. 5... Ah oui, niveau 31, le beau. Faut 3 dextérités que j'ai. Voilà, il y a l'air d'avoir des brigands de partout. Il y a des narbres. Du dead wood log. Je vais en récolter un peu. Il y a un petit... un coyote qui est à côté de moi. Bon, il m'agresse pas, donc... Ah non, mon Dieu, il y a des... Dans le bois, il y a des... Enfin, c'est comme les... merde, les trucs dans la pierre, là. Mais ils ont fait la version bois. Silverfish, hein. Ouais, mais ils l'ont fait version en bois. J'ai pété le bois, et voilà, ça pop. Ils ont mis des scarabs. Là, je me fais bolos par des petits scarabs, quoi. Il y a des sangliers. Là, tu peux même pas taper du bois tranquillement, quoi. Qui s'y fout, là, lui? Oula. Il est en train de se bastonner dans une espèce de pyramide. Il a l'air d'avoir du zombie, des trucs. On peut la casser, la pyramide, ou pas? On peut casser la pyramide, s'il faut. C'est en train de se bastonner à l'intérieur, je ne sais pas pourquoi. Ou contre qui. Bon, il n'y a pas d'entrée. Il y a des goats. Il y a des structures bizarres. Oui, mais... Oh, il y a un spawner, là. Spawner de quoi? On peut rentrer, là? Non. Wow! Ah, je peux pas les... D'accord, ça les pète. Ah si. Un spawner de quoi, ça? Ah, j'ai pas de texte pour le spawner. Je préfère le péter au cas où.
Je vais pouvoir aller visiter ce qu'il y a dedans. Parce que là, il y a l'air d'avoir des coffres. Ah, tu m'as fait peur. Il y a un dirty coin, un dirty ring, pile of fertile soil, du strange sand, bon, du coal et une limestone shovel. Ok. Oula, j'ai des copains qui veulent venir jouer avec moi. Ils sont beaucoup là. Ils te disent Bray. Ah non, 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 c'est des bandits donc. Putain, mais les sorts qui se lancent pas, c'est quoi ce bordel? Dans ce cas-là, c'est la boue. Oh, je viens de tomber un légendaire là. Oh. J'ai pas vu quoi encore, mais. Ce serait bien, c'est que je marque où est le. Le TP, ce serait con de se paumer. C'était quoi ce bruit? Enfin! J'ai pas beaucoup de torches, on va les mettre. Je vais par là. Le soleil se couche. Sur la ville de Townsville, grâce au super gnagna. Oh, j'ai un drôle de bruit. Je sais pas d'où il vient. C'est pas sur moi. Je voulais vérifier au cas où. Tu l'as posé où finalement alors? Derrière les vaches. Enfin, entre les vaches et. J'ai un cruchy scarab que je peux manger. Alors, entre les vaches et... Bah, tu peux pas louper une structure en sandstone. Non, c'est avant les vaches. Tu passes entre les vaches et un autre bâtiment. Et tu devrais voir un truc ah, en oui, sandstone. Ah oui, d'accord, ok. Je voyais un truc plus grand que ça. Je pensais que c'était plus grand que ça. Oh, ah oui, j'ai eu le Legendary Small Gear Treasure Box. Ah oui, bah j'ai eu du légendaire. Oh la vache. Ouais, puis j'ai eu du légendaire. Ouais, je vois ça, t'en as looté plein. Alors, ouais. Welcome to Atum, des torches et de l'XP. Ah, je l'ai pas encore regardé, tu vas voir. J'ai eu des clothes, j'ai eu une épée. Il faudra que j'identifie. Puis on entend un drôle de petit bruit. Il faudra que je trouve tout ça. C'est... Alors, Survey to the Local. Donc, péter 10 momies. On peut pas les mettre là-dedans. Bah, péter 3 gardes de pierre. Et Strange Sand, récupérer 16 sables bizarres. Non, la Golden Axe. Hein. Ah, mais c'était lui, mais je le... Il y avait un faisan. Oui, oui, bah, moi c'est bien, merci. Ah, bah, du Strange... Oh! C'est quoi qui a grec? Voilà. Ah, ça j'avais pas vu encore. Oh, c'est quoi cette espèce de niap-niap là? Je sais pas. Oh, c'est un hunger. Regarde le sable, il y a des trucs bizarres là. Ça, ce serait pas une bestiole. Quoi? Non, c'est ça. Regarde là, fais gaffe, là. Il sort un petit peu. Non, à mon avis, il faut creuser. Non. Même pas, je peux pas. J'arrive à le toucher. Ouais, c'est des niap-niap. Niap-niap, des hungers. Une petite popo. Aïe. Ah, attends, on est pas en groupir. Hein. Surtout que là, ils font bobo. Hein. Ouais. Alors, pense à te mettre à un point un portail. Attends, sinon t'as dit que le truc donnait des torches. Ah oui, ça va être bien ça. Ça va aider un petit peu pour éclairer. Bon, j'ai pas d'eau. Si, m'a looté un Void Earth.
75 000 XP, on prend. Bim. Alors, il y a quoi à faire? Surveying the local, Guardian of the Stone et Strange Sand. Ah, attention, il y a des momies sur ta gueule. Oui, oui, oui. Aïe. On m'a empoisonné. Ouais, j'ai l'impression que c'est... Faut ramasser de la sand. Faut de la sandstone, il en faut 16. La strange ouais. Sand. Attends, j'ai une pelle. En limestone. Dusty bows. Alors, on va faire. On en avait dit. Voilà. Clash team. Tiens, je vais te défiler. Ça t'aura le... Merci. Ça fait de l'XP, hein, car 65 000 XP, on va pas cracher dessus. Ah bah non. Limestone, faut récupérer de la limestone. Ça va, il faut récupérer du palm log. Votre une oasis. Et sinon, faut tuer 10 momies. 10 momies. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'on avait fait la team L. Il faut, flinguer des momies. Ouais, je suis rentré dans la team L, comme okay. Ça je... Ouais, normalement, c'est pas... Alors, moi, est-ce que je suis dedans, c'est ça? Non, non, ça quitte, j'ai l'impression que ça quitte à chaque fois. T'as fait quoi comme commande? Slash team, espace join, espace L majuscule. Slash join... Fais voir, fais ton sort. Ouais. Ouais, là je t'ai vu, hein. C'est marqué que t'es rentré dedans, donc... Ah, puis je prends... Non, je prends toujours des dégâts. Mais what? Bon, on visite la pyramide qui est là. On a une à côté, il y a l'air d'avoir des gens dedans. Attends, j'ai été rajouté. Non, mais c'est pas comme... Aïe. Ouais, zut, non, ça marche pas. Mais what? Ça marchait la dernière fois. Oh, un Forsaken, c'est pas les... Bon, ça va, il fait pas très mal, donc... Ouf, un chest. Bon, j'étais là, moi, je voulais... Oh, je peux pas. Faut trouver l'entrée. On peut pas casser, faut trouver l'entrée. La vraie entrée. Donc, il doit y avoir une entrée enfouie. Parce que là, elle s'est protégée. Non. C'est dégueulasse, remboursé. Alors, soit il entre enfouie, soit... Il parle dessus, mais non. Non, j'en ai déjà fait une par en dessus. Aïe. Non mais c'est chiant ça le système de groupir. La dernière fois il marchait très bien. Ouais, mais c'est pas celui-là qu'on avait fait. Alors, on va ressortir l'appel. Là j'ai une pelle gratuite sur un mob alors. Oh, j'ai chopé de l'ectoplasme. Oula, faire gaffe, c'est du sable. Hop, ben moi je vais prendre ma pelle en diams que j'ai trouvé. Oula, ça a l'air d'aller plus loin par là. Oh, je peux pas casser par là-bas. Ah, c'est chaud, de la limestone, faut que j'en récupère. Cool. Il en faut 16, on y fera de l'XP. Mais non. Bro. Merde, c'est plus facile. Merde. Eh ben, regarde. Non, mais tu t'y prends mal. Ah, Deadwood Stick. Là, je vais passer sous la... Là, je peux toujours pas, là. Putain, mais elle a l'air d'être immense, la truc. En fait, faut déblayer les pyramides pour pouvoir aller les fouiller, quoi.
Normalement, la limestone, tu devrais déjà avoir les 16 là. Il me dit que j'en ai 0. Ah, c'est de la craquette, ce sandstone que j'ai, de limestone que j'ai. Donc faudra la transformer après. Faut la faire cuire. Lol. Faut la faire cuire. Ok. Oh, le strange sand. Alors c'est bizarre, il peut donner du cristal glace ou juste du verre. C'est comme du sable en fait. Ouais. Bon. Alors attends. Va peut-être falloir se créer un petit chemin quand même pour revenir à l'état à la... en extérieur. Alors par contre, il y a l'air d'y avoir pas mal de mobs en intérieur. Oui, oui. C'est normal, c'est une pyramide. Elle est dans le noir. Il y a du même du charbon là. Donc il y a des ors que tu peux trouver. Et il faut faire tout le tour de la pyramide. Non, je quand pense. Même pas. Ben si, pour trouver l'entrée. Je savais bien qu'il fallait pas que je fasse ça. Attends, je vais avoir une autre pelle en diamètre. Ah, une bottle of enchanting. Bon, je vous ai fait une sortie. Je vais la marquer. Et puis comme ça, on va pouvoir faire le tour. Ah bah t'es parti faire le tour là-bas, ok. Le tour de l'autre côté. Ah, parce qu'il faut, à mon avis, il faut juste trouver où est l'entrée, mais... Alors là, j'ai des scarabées qui pop ici. On visite au moins une pyramide. Oula. Par contre, elle descend jusqu'à où? Très bas, je pense. Mais en fait, faut trouver une entrée, mais elle doit pas être très très. Comment dire? Elle doit être pas très loin non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas trop au fond l'entrée. Parce que là, je pense. Ah, je peux pas poser. Lol. Je peux pas poser. J'ai chopé des Dirty Scepter et Dirty Ring. Alors moi, j'ai. Dirty Scepter, Dirty Neacle. Pareil. À mon avis, il doit avoir des. À mon avis, il faut les nettoyer. Et ça te donne des items. J'ai eu un ring comme ça et un coin. Et je pense qu'à mon avis, il faudra les mettre, tu sais, dans le truc d'eau, là. Alors fais gaffe parce que tu peux pas reposer aux alentours de la pyramide. Tu peux poser des torches, mais tu peux pas reposer des blocs. Mais elle est immense là.
Ah, je retombe sur du sable ici. Comment ça se fait? Ouais, c'est pas du charbon en fait, c'est des reliques. Ah si, il y a du charbon aussi. Bah tu sais quoi? On vient de se rejoindre et on a toujours pas trouvé l'entrée. Bah soit elle est un tout petit peu plus haut. Ah, reliques. 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 C'est des blocs de reliques? Ouais. Tiens, regarde. On va reposer des blocs, hein. Bah moi j'arrive pas, là regarde. Regarde. Regarde, bah là, moi j'essaie de poser, là je peux pas. Ah ouais? Voilà. Ça disparaît? Bah oui. Alors que les torches j'ai plus. C'est bizarre. Bah attends, on va remonter. J'ai fait un. Je vais faire une montée. J'ai bien envie d'aller tester les reliques là. Attends, il y en a peut-être. C'est du col. T'as le chic pour passer devant moi quand je fais quelque chose. Et que je puisse te blesser. Parce que dans le col, il y a l'air d'avoir des reliques. C'est marrant. Alors, voilà. Je vais voir si on les met dans l'eau, si ça fait. Si ça marche. J'ai besoin d'XP pour réparer ma pioche en. Eh ben, monsieur le niap-niap, qu'est-ce qui se passe? On n'aime pas la foudre? Tu as voulu mettre au courant et ça marche pas. Non, mais à mon avis, il faut déblayer au bon endroit, mais alors où? Oh, attends. Il y a une autre partie du. Je dirais qu'il y a une partie de temple. Qui est toute pétée ici. Niap, niap. Attends, je vais aller tester pour voir les dirty si ça les nettoie. Ah, Ruinit, t'as fait un. Non, c'est parce qu'en fait il y a une ruine qui est juste à côté. D'accord. Puis je vais faire cramer la limestone que j'ai récupéré, enfin la craquette de limestone pour qu'on ait la limestone pour les XP. Ouais. Après j'ai du strand chand, on peut en faire du cristal glace ou de la glace. On peut en faire du sandpaper. En fait c'est du sable. Ouais. Mais c'est du sable de Hatoum. Alors, testation. Oh, c'est quoi ça? Du gravissand. Parce que ça, je sens que le truc va bien aider. Du strange sand avec une underpearl. Ah, okay. Just like new. J'ai eu un gold quand je l'ai envoyé dans l'eau. Tu l'envoies dans l'eau, alors ça te donne des versions diamant. Il n'y a pas l'air d'avoir. Ah si, j'ai eu un Emerald Scepter. Qui t'intéressera peut-être pour plus tard. Ah, ça peut casser. S'il y en a un que j'ai jeté, ça s'est cassé. Lol, ça permet d'avoir des items en fait. J'ai eu des gold coins. J'ai eu un silver ring, mais il n'y a pas de. Il n'a pas de pouvoir en particulier. Par contre, tu es retourné de l'autre côté, c'est ça? Oui, je suis retourné, ouais. Ah si, ça y est, ils ont des. En fait, il faut, comme d'hab, il faut quitter et revenir pour avoir les pouvoirs. Pour les identifier. Ouais, j'ai eu un silver ring avec énergie régène, mana régène de niveau 31. Il y a un Emerald Scepter de. Mais je pense que ça ne va pas t'intéresser. Mais bon, il tape de niveau 35, il tape à 82-120 en physique. Bon, on va voir, il peut intéresser. Hein. Il tape plus fort que moi. Quoi. J'ai eu un Néac de niveau 31, j'en ai eu deux d'ailleurs. Ah, celui-là, il aurait été bien, mais c'est niveau 31. Ok. Je vais aller poser ça dans les coffres qui vont bien. J'en ai pas eu d'autres. Donc c'est dans la machine à nettoyer, c'est ça? Non, en fait, à mon avis, dans n'importe quelle eau, tu balances et c'est bon. Pourquoi j'ai ça, moi? Il est affiché. J'ai un bug. Anneau. Je vais le mettre ici. Bracelet, collier. J'ai un affichage bizarre, mais c'est pas grave.
faire avec. J'ai un sceptre, staff. On va le mettre ici. Et j'ai des gold coins. Mais pourquoi il m'affiche ça, sérieux? Qu'est-ce que c'est encore, comme saloperie? Putain, d'avoir un truc qui s'est déclenché et que ça m'affiche tout, là. Alors, est-ce que le gold coin, on peut le mettre dans le wallet? Ou est-ce que c'est d'autres gold coins? Non, c'est d'autres gold coins. Ah, tu peux le transformer en nugget, en gold nugget. Ok. Tu le crames et ça fait des nuggets. Alors, moi, j'ai deux sceptres. J'ai un sceptre en rubis et un sceptre en saphir, qui sont tous les deux de niveau 35. Ouais. Ils ont pas de trucs secondaires, donc je pense qu'on peut les level up. Et j'ai un... Oui. Et j'ai un anneau rare et non identifié, donc je vais Allez, l'identifier. Limestone, c'est fait. Une pickaxe, 65 000 XP, c'est très bien. C'est quoi le prochain? Faut faire un kiln, mais version avec un spinning wheel. Ok. C'est vraiment trop facile oh à faire. Mana régène, mana et frost résiste. Oh, il est bon celui-là. Ah ouais, anneau de niveau 31, il est pas dégueu. Tiens. Et tant qu'à faire... Alors, attends, tiens. Vas-y, balance le... Oups. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est la limestone. Je te la rends, hop. Une pickaxe. Putain, pourquoi j'ai cet affichage, ça me saoule. Alors, Alors, c'est quoi, c'est turn trash into treasure? 1, 2, 3. Bah tiens, tant qu'à faire, file le... celui en émeraude, comme ça je le level up. De quoi il est dans le de quoi le sceptre? Ouais, il est dans le coffre des sceptres des staffs. Ah, de staff. Ok, alors le staff émeraude. De la craque et de limestone. Ok. Il donne... Et alors, il a donné du heal power et du physical damage. Okay. Alors, mort de rire, si tu fais le craft du furnace avec de la craquette limestone, ça te donne un limestone furnace, mais si tu le fais avec la limestone, ça te donne un coffre. Alors, je vais garder le sceptre en rubis de côté quand je passerai niveau 35. Parce qu'on va dire physical damage 96-155 avec 5% de spell damage. Alors, Diamond Hermit. Ok, j'ai fait le kiln. Après le Snippy Wheel. Il me faut un clot scrap. Il faut de la mummifiée de fish. Et ça drop sur les momies. Momie. Donc on pourra pas faire la suite tant qu'on n'aura pas pété la gueule à une momie. Attends, je vais pas me gêner, je vais faire un coffre. Ça fait quoi? Ça fait un coffre aussi? Non. Par contre, tu l'utilises pas la... Là. L'épée légendaire? Laquelle? La Life-Stealing Sword of Critical Damage. Mais parce qu'elle est moins... Elle est plus faible que celle que j'ai. D'accord, ok. C'est surtout pour ça. Tiens, regarde, Atum, paf. Oh.
J'ai fait le Furnace déjà. Ah, par contre, le... Alors, Deadwood Stick, on va le mettre là. Alors, il y a de l'ectoplasme, j'en ai eu. Attends, j'ai eu d'autres trucs. Mais... Ah, attends, je pique le kiln. Hop, hop. Le Dusty Bones, je vais le jeter dans la flotte. Sait-on jamais. Il va sûrement falloir en faire un deuxième, je pense, de coffre. Déjà, tout ce qu'on a looté. Il y a déjà plus de place. Non, les Dusty Bones restent des Dusty Bones. Attends. Bah tu fais un double coffre de atomes. Hein. Si ça marche, attends, il me faut de la limestone, c'est bon. J'ai... Parce que c'est la limestone qui fait du coffre. Je suis pas sûr que ça fera un double, on va voir. Ça fait un double, nickel. Le spinning wheel, tu l'as fait ? On peut pas, il faut péter la gueule à une momie. Ah, d'accord, ok. Puis j'ai eu ça, j'ai eu une bottle of enchanting, mais je pense qu'à mon avis, c'est des bottles qui donnent de l'XP. Attends. Oh, c'est quoi ça, le Void Heart ? Je sais pas, j'ai looté ça sur un des mobs. Bah, cool. Putain, 17 niveaux pour... pas réparer complètement ma pickaxe diamond. Parce qu'elle a pris cher à cause des morts. Ok. Plus de torches. D'ailleurs, ça va. Tirons les sticks d'ici. Moi je retourne au soleil. Hein. Attends, j'arrive. Enfin, au soleil, c'est vite dit. Hein, parce que tu verras la brume. Bah ouais, il pleut ici. Hein. Oui, bah comme d'hab. Hein. Comme ça, j'aurai un max de torches. Peut-être trop. Ça va. Je vais prendre de l'eau. J'ai plus d'eau dans mon seau. Oh, Vicious Tarantula. Oh, elle est jolie. Comparé aux araignées Minecraft. Ah, par contre... Elle fait bobo, c'est ça? Non, c'est pas qu'elle fait mal, c'est qu'en fait elle tire des. Elle tire un espèce de. Putain, poison. Mais laisse mes mobs, bordel! Faut que j'en tue moi aussi! En fait, elle laisse du poison. Bah, en fait, un espèce de poison qui te met cécité. Tu mets temporairement cécité. D'accord. Donc la pyramide, on a toujours pas trouvé l'entrée. C'est plutôt problématique. Putain, mais il y en a plein mal des machins là qui veulent essayer de nous bouffer là. Ouais, il y a encore un niap-niap là. Je vais voir si je peux. Bon. Je m'en fous du Forsaken. C'est nul. Ah bah tiens. Attends. T'es dans le coin, Rayek ? Oui, je suis pas. Enfin, je suis près de la pyramide. Alors. Attends, je vais t'attirer la tarentule. Viens là, la tarentule. Voilà, il a tiré. Ah, il empoisonne. Ah, zut, un niap-niap. Elle est où, la tarentule? À tous les coups, il y a mon pote qui est débuté. Bah oui. Bon. Mon pet l'a buté avant de disparaître. Putain, mais des niap-niap, il y en a partout. Ah, et puis ça repop régulièrement, quoi. Ah, tiens, regarde, il y en a une là. Il y en a deux même. Faut pas où t'es. Là, en face. Regarde les grosses niaignées. Ah oui, là-bas, oui. Putain, mais des niap-niap et... Ah oui, non, elles sont largement mieux faites, quoi. Oui, c'est clair. Moi, bon, rien elles de... Sont super... Elles sont super jolies. Et en fait, quand elle attaque, elle se lève complètement et tu vois qu'elle te tire des espèces de petites aiguilles. Mais c'est qui ferait mal, les niap-niap, quand même. Aïe.
Tu évites de me lancer les tridents sur la gueule. Parce que c'est moi que t'as touché là. Et laisse mes mobs. Attends, on va essayer de finir de déblayer cette première. Ouh, bon, on va peut-être arrêter ce premier épisode ici. Voilà, c'est la petite découverte, hein, on va voir. On va essayer de déblayer pour découvrir derrière dans le prochain épisode. Vous ne quittez pas, on part sur un autre épisode.